Bonjour. Bonjour à tous. Oh là là. Malheureusement, on est en direct. À partir de la voiture. Donc, on va supporter les quelques inconvénients. Partageons la vidéo. Nous attendons nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Nous avons eu un sujet sur lequel on devrait revenir hier, qui est important. Je l'ai abordé, entamé, même pas entamé en tant que tel, je l'ai juste introduit hier. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera le sujet de la réflexion de chacun d'entre nous. Donc, partageons la vidéo s'il vous plaît. Et nous sommes déjà à quelques heures de la grande nuit des flammes, l'édition d'octobre ici à Yaoundé. Et toutes les populations de Yaoundé et ses environs sont invitées. Et tous nos bien-aimés qui ne sont pas au Cameroun, qui sont hors du Cameroun, bien dans des régions retirées du Cameroun, mais qui ont la possibilité d'être connectés, pourraient être connectés sur la page YouTube, la page Facebook et suivre Doulos FM et Asoe Channel. Donc, il y a tous ces canaux-là qui restent disponibles pour tous. Et je vous encourage, à vous qui êtes dans la ville de Yaoundé, à tout faire pour être à cette nuit de flamme. La nuit de l'onction supérieure. La nuit de l'onction supérieure, je rendrai ton nom grand. La Bible dit que c'est Dieu qui prend l'indigent du fumier, les pauvres de la poussière de la terre, et les fait asseoir à table avec les grands de son pays. On a vu ça dans toute l'histoire de la Bible, avec David, on a Joseph. Prend des gens sans aucune valeur, sans aucune histoire, pour leur donner de la valeur et leur faire vivre de grandes histoires, de grandes expériences qui deviennent légendaires au fil du temps. Donc, en une rencontre comme celle-là, je pense que depuis que les nuits de flammes existent, Dieu a tellement transformé des vies. Il y a tellement de familles qui ont été bénies, des destinées qui ont été rétablies à leur place. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc vous êtes conviés à la grande nuit de flammes de ce vendredi à partir des 21h à la Bire du côté de Kouaba, à Yaoundé. Par la grâce de Dieu. Et puis nous aurons aussi le grand culte familial du côté de Douala. Donc j'aurai une semaine à Douala à partir de dimanche. Nous aurons un grand programme là-bas, l'onction supérieure du mariage. Mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, nous aurons, je crois, c'est l'atmosphère du miracle là, du côté de Yaoundé. Donc, les habitants de Douala seront visités. À partir de ce dimanche, ce sera un peu comme un culte introductif à tout ce qui va se passer pendant la semaine. On a été à Yaoundé. Dieu nous a bénis ainsi concernant le séminaire sur le mariage. Et on entrera dans la phase, la deuxième phase qui se passera du côté de Douala. Donc les habitants de Douala, soyez très nombreux à ce grand séminaire et la main de Dieu sera puissamment sur vous. Donc s'il vous plaît, si vous êtes, vous me suivez à partir de YouTube ou bien Facebook, vous n'êtes pas encore abonné à ma page, s'il vous plaît, abonnez-vous et recevez la double portion. Partageons la vidéo, envoyons des cœurs, des likes. On va commencer ainsi le temps que j'arrive à la maison. Voilà. Donc, s'il vous plaît, tu n'es pas encore abonné à ma page YouTube et Facebook. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Envoyons des cœurs pour que Facebook puisse recommander la plateforme. Que notre direct, ceux qui signalent, remportent pour la victoire. Donc, partageons la vidéo, s'il vous plaît, au maximum. Partageons la vidéo. On a commencé avec un sujet très
capital hier. J'ai commencé à parler de ça hier. Par rapport au ministère. Le ministère. Les fils déloyaux, la guerre des pères et des fils. La guerre des pères et des fils. Vous savez que c'est une guerre généralisée aujourd'hui dans le monde entier. Il y a comme cette flamme-là qui s'est allumée dans l'Église aujourd'hui, dans le monde entier. Il y a des grands conflits entre les pères et les fils. Des très très grands conflits. De sérieux conflits. Et je pense que ça vient du fait qu'il y a des lois ministérielles qui sont bafouées, que les gens ne comprennent pas. Il y a des assassinats spirituels. Des pères par les fils. Je parle d'abord aujourd'hui de la guerre des pères et des fils, les assassinats des pères par les fils. Beaucoup de pères spirituels dans le monde entier et en Afrique particulièrement sont assassinés par leurs fils spirituels, subissent des assassinats spirituels. Il est important pour nous d'essayer de parler de ça, regarder ensemble quelles sont les causes de ces choses-là, pourquoi c'est comme ça, et puis voilà. Et que chacun tire des leçons. Lorsque vous lisez dans le livre 2 Rois chapitre 2, je pense le verset 9, la Bible parle du prophète Élie qui va parler à Élisée, son fils. Et il va poser une question à Élisée. J'aurais vraiment souhaité lire ça en hébreu pour mieux vous expliquer la teneur du passage. Et Élie demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi? Et Élisée répondra, qu'il me soit donné, je t'en prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Beruach en hébreu, ça veut dire ton esprit à toi. Une double portion de ton esprit. Et nous savons tout ce qui va se passer. Son papa va lui dire que bon, si tu me vois être enlevé d'avec toi, ça veut dire que la chose que tu as demandé t'a été accordée. Mais sache que ce que tu me demandes là, c'est difficile. Lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, vous allez noter que l'une des premières choses, et ça je l'ai déjà dit, l'une des premières choses à savoir ce qui concerne les hommes de Dieu et surtout les prophètes. Bon, pas seulement les prophètes, hein, on parle des hommes de Dieu qui ont un héritage. Des prophètes, que ce soit des prophètes, des apôtres, etc. Mais des hommes de Dieu qui ont un héritage, lorsqu'on les voit dans les Saintes Écritures, vous vous rendrez compte que leurs fils biologiques n'ont pas hérité de leur manteau. Leurs fils biologiques n'ont pas hérité de leur manteau. Ça veut dire quoi? Si on commence au début, ça veut dire qu'à l'exception de quelques-uns comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, et ça c'est normal parce qu'il n'y avait pas encore l'adoption spirituelle. Il n'y avait pas en réalité ce qu'on appelle l'adoption spirituelle aujourd'hui. Et ce qu'on voit, qu'on a vu après cela, après ces événements-là. Mais si vous prenez des prophètes comme Moïse, on prend à partir de Moïse, tu te poses la question de savoir qui a été l'héritier de Moïse. Moïse avait un fils qu'on appelait Gershom. Il avait son fils biologique qu'on appelait Gershom. La question qu'on doit se poser, c'est normalement, qui devrait être l'héritier de Moïse? Qui devrait être son héritier? Qui devrait mieux maîtriser le ministère de Moïse pour en être l'héritier? Qui devrait en connaître les points forts et les points névralgiques? Qui devrait maîtriser mieux les mystères des rouages du ministère de Moïse plus que son fils Gershom? Mais qui a hérité du manteau de Moïse? C'est Josué. Josué était-il de la famille de Moïse? Non. Et est-ce qu'il était un fils de Moïse? Non. Est-ce qu'il était son frère? Non. Non, du tout. Normalement, peut-être les fils d'Aaron devraient hériter au moins.
Si Moïse, son fils, ne pouvait pas hériter de son manteau, des fils de son frère, ou bien de Marie, devrait hériter. Mais cependant, c'est un étranger à la famille spirituelle, à la famille biologique, pardon, qui a hérité du manteau de Moïse. On peut encore prendre qui? Prenons le cas du prophète Samuel, qui est le père même de la généalogie des prophètes voyants, Rohe et Osée. Quand regardez Samuel, le prophète Samuel avait des fils. Et nous savons que lui, il va commencer le ministère parce qu'il va remplacer les fils du souverain sacrificateur Élie, Ophni et Phinéas, à cause de ce qu'ils étaient impies. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas l'Éternel. Et donc, il fallait à Dieu un homme qui le craigne complètement. Voilà comment Dieu va choisir de donner un enfant, une femme stérile. Il va la bénir et puis voilà, elle aura un fils qu'on appellera Samuel qui sera complètement dédié à l'œuvre de Dieu. Il sera consacré à Dieu, très fidèle, loyal dans le service ministériel. Mais cependant, ce Samuel qui est venu comme un modèle, qui a été l'espoir d'Israël, un homme exemplaire en ce qui concerne l'intégrité, la droiture, la justice, la vérité, la véridicité, etc., etc., etc. Cet homme, on penserait qu'une révolution prophétique viendrait de lui. Mais la Bible dit que ses enfants n'ont pas hérité de lui parce que ses enfants étaient des impies. Ils ne craignaient point l'Éternel. Qui peut oser croire en ça? Les propres fils du prophète Samuel, qui est venu rectifier l'erreur, l'ignominie, la honte, le péché des fils d'Élie, lui-même ses propres fils, n'ont pas hérité de son manteau. Pourquoi? La Bible dit qu'il ne craignait pas Dieu. On peut se poser la question de savoir comment les fils de Samuel n'ont-ils pas craint Dieu. Et ça pose un réel problème, mes amis. Ça pose un réel problème. Et on peut multiplier des exemples comme ceux-là. Vous prenez le cas de Josué, lui-même qui a hérité de Moïse. Vous trouverez que ce n'est pas un fils de Josué qui a hérité de son manteau prophétique, non. Donc, les manteaux prophétiques le plus souvent sont allés entre les mains des personnes qui n'appartenaient pas à la famille biologique du prophète. Et je pense que ça revient à ce que Jésus a dit, le prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Ça a deux connotations. Lorsque la Bible dit que le prophète n'est pas honoré dans sa patrie, ça voudrait d'abord dire, biologiquement parlant, ça veut dire dans sa patrie charnelle, le prophète n'est pas honoré. Mais ça peut aussi parler de la patrie spirituelle. La patrie spirituelle représente aujourd'hui tous ceux qui sont enfants spirituels d'un prophète. C'est-à-dire dans le sens des patera genetria. Parce que vous savez, j'ai enseigné qu'il y a des pateras paedagogus et les pateras genetria. C'est-à-dire le père qui t'a engendré. Le père génétique spirituel, c'est-à-dire celui qui t'a engendré. Dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul dira, même si vous avez 1000 pères, des 1000 tuteurs, vous n'aurez cependant pas 1000 pères qui vous aient engendré. C'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Donc, celui qui te donne naissance spirituellement, on l'appelle le patera genetria. Ça veut dire que le père qui t'a engendré dans le Seigneur. Mais cependant, celui qui t'a adopté, qui est ton père adoptif, ça veut dire que tu n'es pas né entre ses mains. Mais il t'éduque aujourd'hui, il est ton père, il te couvre de son manteau spirituel. Celui-là, c'est un patera paedagogus, ça veut dire c'est un pédagogue pour toi, c'est un père adoptif. Voilà. Donc, on se rendra compte que le plus souvent, les fils qui héritent du manteau des prophètes de nos jours, parce qu'on ne va pas parler de la descendance biologique, mais on parle de la descendance biologique spirituelle, c'est-à-dire de tout ce qui vient du patera genetria. Ceux qui héritent des prophètes aujourd'hui, des hommes de Dieu aujourd'hui, ce ne sont pas leurs fils spirituels même. Parfois, ce sont les fils de dehors. Ce que j'appelle les fils de dehors, ça veut dire ce ne sont pas les fils engendrés dans le ministère, c'est ceux qui viennent d'ailleurs, qui parfois prennent le manteau du Père et manifestent sa grâce. Maintenant, lorsqu'on parle de prendre le manteau d'un père, hériter le manteau d'un père, c'est quoi? Lorsque Élisée a hérité du manteau de son père, comment fait-on pour savoir qu'un fils a hérité le manteau de son père? C'est lorsqu'il fait ce que son père a fait
et il fait même de plus grandes œuvres. Voilà pourquoi, lorsque Élisée traverse le Jourdain avec son père, avec Élie, en réalité, Élisée ne pouvait pas encore traverser le Jourdain par lui-même. Il n'avait pas les moyens ni la capacité. Donc le Jourdain ne pouvait pas lui obéir. C'est grâce à son père qu'ils vont traverser parce que le manteau est entre les mains d'Élie. Donc ça fait que c'est à Élie que le Jourdain va obéir. Et Élisée va profiter, ça veut dire derrière son père, pour traverser le Jourdain. Mais il n'a pas le moyen de diviser le Jourdain en deux. Mais quand il revient et qu'il a le manteau de son père dans sa main, le Jourdain lui obéit, il n'a plus besoin de la présence d'Élie parce que l'esprit d'Élie est dans la double portion qu'il a reçue. Et cette double portion-là est matérialisée par le manteau physique qu'il porte. Donc ce manteau-là est le garant de son héritage spirituel. Le manteau-là, c'est la double portion de l'esprit de son père, dont il a la double portion de l'esprit de son père. Il porte l'esprit de son père dans le manteau, dont le Jourdain reconnaît Élie dans le manteau. Si Élisée revenait de l'autre côté de son excursion avec son papa, sans le manteau dans sa main, en fait, le Jourdain ne le reconnaîtrait point. Et il n'aurait pas autorité sur le Jourdain. Alors il allait traverser par la nage et peut-être il se noierait. Et beaucoup de filles se noient aujourd'hui parce qu'ils veulent traverser le Jourdain par eux-mêmes. Ou parfois ils pensent qu'ils ont déjà le manteau de leur papa. Ils s'engagent dans la guerre du Jourdain et ils se lancent là et puis ils se rendent compte au milieu du Jourdain qu'ils ne savent plus nager ou bien qu'ils sont fatigués. Et là, c'est la détresse et on voit des fils qui se noient. Et il y a un génocide de fils qui est en train de se multiplier, se rendant de plus en plus flagrant aujourd'hui dans notre génération. Donc, bien aimé, à partir de ce moment, comment un fils peut-il faire pour savoir qu'il a le manteau de son père? C'est une bonne question. On va répondre à la question là aujourd'hui. Comment savoir que j'ai le manteau de mon père? Que j'ai hérité du manteau de mon père. Et j'ai expliqué que c'est lorsque tu fais ce que ton père fait et tu fais des choses plus grandes. Tu accomplis des choses plus grandes. C'est en ce moment-là qu'on dira que le manteau de ton père est sur toi. Et j'ai donné l'exemple d'Élisée. Et nous avons dit, il faut mettre les lumières là. On a expliqué qu'Élisée, il a déchiré le Jourdain en deux. Il a divisé le Jourdain en deux. Et c'était la preuve. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'un fils peut-il faire pour savoir que le manteau de son père est sur lui? Comment est-ce qu'on fait? C'est lorsque tu accomplis les choses que ton papa spirituel a accomplies. En ce temps-là, tu sais que le manteau de ton papa est descendu sur toi. La main de Dieu, la fidélité de son Dieu est sur toi. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous voyons? Non. J'ai parlé hier. Vous ne verrez nulle part dans les Écritures qu'Élisée a murmuré contre son papa. Jamais de la vie. Vous ne lirez nulle part que Josué avait murmuré contre Moïse. Jamais de la vie. Hier, j'étais en train de réfléchir sur cette histoire de loyauté des fils à leur papa. Et j'ai découvert une chose qui s'aime. Bon, c'est vrai que c'est une vérité de la palie. C'est quelque chose qu'elle a depuis. Mais en même temps, à un certain moment, vous vous rendez compte tout simplement que c'est des choses qui détruisent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont détruites. Et peut-être pas par ignorance, mais par manque de volonté d'appliquer la connaissance qu'elles ont reçue de Dieu. Lorsqu'un père, si vous êtes un père spirituel, je parle à tous les hommes de Dieu. Vous êtes un père spirituel. Vous avez des fils dans votre entourage. Vous grondez un fils, en privé ou en public, il se fâche. Séparez-vous de lui. Séparez-vous de lui. Ça veut dire que c'est une personne qui est déloyale. C'est une personne déloyale. Quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire des reproches. Vous faites le reproche. La personne se fâche. Ça veut dire que ce n'est pas votre fils en fait. Ce n'est pas un fils. Dieu vous a montré le cœur de la personne en réalité. Elle n'est pas loyale. Elle n'est pas du tout loyale. Il faut se séparer. Il faut la laisser partir. Tout fils, tout leader à qui vous faites des reproches, vous le grondez en public ou en privé, et il se fâche contre vous, ou bien il part. Dieu vous a débarrassé. Dis simplement, bon débarras. Dieu vous a sauvé. Ce qui monte les fils, on ne triche pas dans ces histoires-ci. On ne triche pas. Ce qui prouve
La filiation, l'authenticité d'une filiation. C'est l'humilité du Fils. Parce que celui à qui vous faites des reproches, il se fâche contre vous. Il se rebelle en fait. Il méprise votre autorité. Il dit que vous n'êtes pas digne de l'enseigner. Et si vous ne pouvez pas enseigner quelqu'un, mais pourquoi vous allez appeler cette personne votre fils? Mettez le truc ici. Comment vous allez appeler la personne votre fils? Ce n'est pas votre fils. C'est votre égal en réalité. C'est un égal. Donc toute personne dans votre entourage, je répète encore, et je dis ça aux hommes de Dieu, je suis clair là-dessus. Toute personne dans votre entourage à qui vous faites des reproches, la personne se fâche, ou la personne murmure, ou la personne s'en va, sachez que c'est des déloyales. C'est des personnes déloyales. Il faut les laisser partir. Il ne faut même pas chercher à les retenir. Non, non, ne les retenez pas. Laissez-les partir. Parce que la personne méprise ton autorité. Elle te dit clairement que tu ne dois rien lui dire. Tu n'as rien à lui enseigner. Tu ne connais rien. Elle connaît plus que toi, mieux que toi. Ce qui fait un fils authentique, c'est l'humilité. Voyez, si vous voyez, vous demandez à tous les hommes de vous raconter leurs histoires, et je vous dis la vérité, ils vont vous redire la même chose. La plupart des fils que nous avons quittent lorsque nous leur faisons des reproches. C'est ça. Permettez-moi de mettre le téléphone ici. La plupart des fils que nous avons là, la plupart quittent. Excusez-moi. Donne-moi mon sac là, s'il te plaît. La plupart des fils, ça c'est ma remarque et mon expérience personnelle. La plupart des fils, tu vas m'apporter les écouteurs dans mon armoire là-bas, dans le tiroir. La plupart des fils que nous avons aujourd'hui, tiens. La plupart des hommes de Dieu, demandez-leur, ils vont vous dire ceci. La plupart des fils qui quittent leur père aujourd'hui, je veux dire 99% quittent quand leur papa leur font des reproches. Lorsqu'ils ont mal agi, et on les punit pour leur mauvaise action. On les reprend, on les réprimande sévèrement. C'est là-bas que Dieu commence à leur parler. C'est là que tu vas entendre que l'ange de Dieu m'est apparu, où j'ai vu le pied de Dieu, la patte de Dieu, je ne sais pas trop entre guillemets. C'est là que les gens vont commencer à vous sortir des révélations, que j'étais là, j'ai vu un grand bâtiment, et puis voilà, j'ai vu comme une église, on a écrit l'église des éclairs célestes, de puissance, de délivrance et de restauration. Papa, ça veut dire quoi? C'est la réalité. Moi, quand je prends mon exemple à moi, ma seule expérience, c'est que... De tous les fils que j'ai connus, je pense que j'ai bonne mémoire, hein, de tous les enfants que j'ai formés, je crois que c'est une seule qui est partie avec gloire, qui est partie, ça veut dire pas, on n'a pas eu de problème. Elle est partie comme ça, elle est partie. On avait l'église chez elle. Il y avait l'église chez elle. Après, elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, le Seigneur m'appelle au ministère. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, ma fille. Et elle m'a dit, mais comme l'église est dans ma maison, je lui ai demandé, tu inaugures ton église quand? Ton ministère quand? Elle a dit que non, elle ne peut pas. Pour le moment, comme l'église est encore chez elle, Réma est chez elle. Donc, le jour où on va partir, elle pourra faire l'inauguration de son ministère. Et je pense qu'on a encore fait dans sa maison là-bas peut-être 6 mois. Elle n'est plus jamais venue me voir pour me demander que, mais le père, comment j'étais venu vous dire que on veut déjà, je vais déjà faire mon ministère et voilà, ça fait déjà 6 mois que j'attends que vous libériez ma maison et vous n'avez pas encore libéré la maison. Et bon, elle est restée tranquille. C'est moi qui ai dit qu'il faut libérer sa maison, s'il vous plaît. Elle doit commencer son ministère. Et on a libéré. Et avant d'inaugurer, elle est venue me voir. J'ai prié pour elle, je l'ai bénie. Et quand elle a fait son premier culte, les offrandes, elle est venue me présenter ça à l'église en public. J'ai prié et je l'ai bénie. Et elle est partie. C'est la seule. Voilà, quelqu'un a demandé, et si ton pasteur te dit de partir? Si ton pasteur te dit de partir, tu pars. C'est simple, tu pars. Si il te dit de partir, il faut le laisser. Il faut partir. Moi-même, j'ai dit à beaucoup de mes fils de partir. Beaucoup de pasteurs, j'ai dit de partir. Moi, si je me rends compte que, si Dieu me dit, le fils est là, vraiment ça c'est mon fils, il est là en formation, quand le temps va venir, il faut le libérer. D'accord, il n'y a pas de problème, le temps vient, on te libère. Si je me rends compte que
Tu es un fils déloyal, moi-même, je vais te libérer. C'est-à-dire que je vais t'ouvrir la voie et tu pars. Je vais te dire, ok, c'est bon, on a marché ensemble. Je suis reconnaissant que le Seigneur te bénisse, il faut aller. Pourquoi? Parce que dans la vie, chez mes amis, il ne faut rien forcer. Il faut simplifier la vie. Elle est très courte. On vit aujourd'hui, demain on va mourir, tu vas partir. Le genre d'histoire que tu vas laisser après toi, là, ça va suivre ton nom. Ça va suivre ta mémoire. Soit ça va glorifier ta mémoire, soit ça va salir ta mémoire. La Bible dit deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être accordées? Dans tous les domaines de la vie, on ne peut pas marcher ensemble si on n'est pas d'accord. C'est ça en fait la réalité. Vous voyez? Donc il faut que les gens comprennent cela. Moi, la plupart des fils qui sont partis parce que j'ai fait un reproche. Parce que j'ai fait des reproches. Et puis voilà un peu, c'est ça la réalité, la même réalité. C'est là que Dieu s'est souvenu d'eux pour leur parler. Moi, je souhaite, j'ai un de mes fils qui est venu là, dernièrement me voir. Il a mal agi, je lui ai fait le reproche et il s'est fâché. Il a dit que comme j'ai fait comme ça, lui va aller ouvrir aussi son ministère. Bon, il n'y a pas de problème. C'est pour la gloire de Christ. Si les églises se multiplient, mes amis, les âmes sont sauvées, on gagne. Je serais heureux de savoir que dans toute la ville de Yaoundé, là, j'ai des fils qui ont ouvert les églises partout. C'est ça. Mais ce que nous disons aux gens, c'est que le ministère a des lois. Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu de justice. Quand tu veux quitter ton père, il faut quitter dans de bonnes conditions. En tout cas, bats-toi pour que tu quittes dans de bonnes conditions. Parce que quitter dans la guerre avec ton père, ce n'est pas bien. Donc, quand c'est bon, le fils apprécie le père. Oh non, c'est le plus grand prophète. Il n'y a pas Dieu comme lui. Ah non, si tu vois sur Facebook là partout là, ce sont les appréciations. Ah mon père c'est le meilleur des papas, le meilleur. Dès que le moment difficile arrive, c'est que non, moi-même Dieu m'avait appelé avant que je n'aille même là-bas. Hein. Moi j'avais déjà mon appel. Dieu m'avait déjà appelé. Donc Dieu m'avait dit va seulement en formation là-bas, c'est tout. J'étais là-bas en formation. Et ce n'est même pas mon papa. Mon vrai papa, c'était lui, c'est juste un formateur que Dieu a. Mais tu oublies, heureusement, qu'il y a Facebook, il y a la télé et tout ça. Tu oublies toutes les publications que tu faisais au beau jour. Donc, je dis que tous ces garçons-là, quand vous regardez dans les Saintes Écritures, tous les enfants qui ont été loyaux envers leur père, qui ont hérité dignement du manteau de leur papa, ont réussi dans leur ministère. Ils ont accompli les choses que leur père spirituel a accompli. Maintenant, la question qu'il faut se demander, pourquoi nos fils ne prospèrent-ils pas aujourd'hui dans le ministère? Un homme comme moi, là, mes fils devraient être parmi ceux qui marquaient cette nation et d'autres nations. C'est ça la vérité. Parce que le genre de formation que je donne, mes amis, c'est sérieux. Et il faut comprendre que chaque homme de Dieu forme comme Dieu l'a formé, comme il a été formé. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. Et donc, c'est normal que je ne puisse donner que ce que le ciel m'a aussi donné. Moi, je suis un guerrier. Je ne peux pas former des civils. Ouais, c'est un peu ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a une réalité. Au début du ministère, j'ai commencé à avoir des raisonnements, mais qui, après, bon, on apprend par expérience. On apprend par expérience, mes amis. Moi, j'étais passé aux assemblées de Dieu. J'ai servi là-bas. Mon salaire, c'était 18 000 par mois. 18 000 francs par mois. On regarde pas si tu as les enfants, si tu es marié ou si tu as quoi vraiment. Ce n'est pas leur problème. C'est 18 000 francs par mois. Donc j'avais 18 000 francs de salaire par mois. Et j'ai servi là-bas. J'ai servi avec loyauté, avec fidélité. Et quand j'ai voulu quitter les assemblées de Dieu, comme j'ai eu l'habitude de le dire, j'ai fait une lettre de démission. Je suis allé la déposer. Je suis allé, viens pas envoyer qu'on le dépose, je suis allé voir le responsable national, le révérend Etouba à Douala. De regretter mémoire. Et je lui ai dit pourquoi je partais. Et il a prié pour moi. Et je suis parti. Ils m'ont libéré. Je suis parti. Dans de bonnes conditions. Donc, mes amis, je suis quitté de là. Aujourd'hui, ils me voient prospérer. Tous mes pères, ceux par qui je suis passé, quand ils me voient aujourd'hui, ils comprennent que j'ai porté quelque chose d'eux. Ça se voit. Ce n'est pas les choses qu'on raconte. Mais d'où vient-il aujourd'hui que nos fils nous quittent, mais ne font pas de grands exploits. Donc, ils devraient se remettre en question, se poser la question, est-ce que je me suis bien séparé? Est-ce que j'ai respecté les lois ministérielles? Est-ce que je n'ai pas enfreint une loi ministérielle? Et je disais à l'un de mes fils l'autre jour que, pour moi personnellement, je ne crois pas qu'un de mes fils puisse me saboter et réussir. Parce que c'est ça le malheur de plusieurs de nos enfants aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme qui t'a béni, sur qui tu as reçu une formation, aujourd'hui, tu fais comme si tu n'as jamais rien reçu de lui.
Tu fais comme si tu n'as jamais formé. Pourtant, le monde entier a vu. Tu fais comme si tu n'as jamais été assis sous ses pieds. Celui que tu as appelé ton père, tu veux faire de lui aujourd'hui ton égal, ou bien quelqu'un moindre que toi. Tu veux que son Dieu, là, te laisse comment? Te laisse tranquille comment? C'est ça le problème. Tu veux que Dieu te bénisse comment? Tu te soulèves contre ton papa, tu insultes ton père, tu lui parles sans respect, tu le méprises, tu parles sans vergogne à celui qui t'a béni, qui un jour a mis la main sur toi, a prié pour toi, sur qui tu as été, la grâce qu'il a, t'a béni, t'a nourri. Et tu te soulèves contre lui, tu veux réussir comment dans le ministère, tu as très mal commencé ton ministère. Et la plupart des jeunes serviteurs de Dieu commencent mal leur ministère. Ils bâtissent leur ministère avec le sang de leur père. Or, tu ne dois pas bâtir ton ministère avec des mains souillées. Tu ne peux pas. Absalom a voulu bâtir sa royauté avec les mains souillées. Il en est mort, vous le savez. Judas a voulu bâtir son ministère avec les mains souillées. Mort. Absalom a voulu bâtir son ministère avec le sang de son père. Il en est mort. Et quand vous regardez dans les Saintes Écritures, tous les fils qui ont voulu bâtir le ministère, Jéroboam a bâti sa royauté avec le sang de son père. Il en est mort. Il est devenu le pire roi d'Israël. Donc vous multipliez des exemples comme cela dans les Saintes Écritures, vous rendrez compte que même dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont voulu bâtir leur ministère avec le sang de leur père, Dieu. Nous savons ce qui est arrivé. Donc il n'y a aucun exemple biblique d'un enfant qui se soit révolté contre son père, qui ait versé le sang de son père et qui ait réussi dans la vie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul. Peut-être sauf si je n'ai pas vu. Et, à contrario, vous vous rendrez compte que tous les enfants qui ont été dociles, qui ont eu un cœur humble et qui ont servi leur père avec humilité, ces enfants-là ont été bénis. Ils ont réussi. Ils ont accompli des choses plus grandes que celles de leur père. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Aujourd'hui, c'est les fils qui nous corrigent. C'est-à-dire qu'un fils corrige son père. Sur les réseaux sociaux, hein, il insulte son père. Il corrige. Mais ma mère disait souvent à ma grand-sœur, à feu ma grand-sœur, que comme tu me fais souffrir là, tes enfants vont me venger. Tu vas accoucher, non, on va voir. Et quand elle a accouché, son plus grand malheur, c'était ses enfants. Ses enfants étaient devenus comme une malédiction sur elle. Et ce que sa mère lui disait, c'est accompli. Et elle a compris ce que c'est qu'éduquer un enfant. Aujourd'hui, c'est trop simple de saquer un homme de Dieu, de faire des reproches. Ah non, non, il n'enseigne pas bien. Il n'enseigne pas comme il faut enseigner. Il n'enseigne pas la parole. Mais on te donne le micro. On te dit d'entretenir des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes à travers le monde. On te met à la place de ton père, le ministère meurt. C'est trop simple. Ah non, 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 non. Il ne prophétise pas bien. On te donne le micro, tu vas te rendre compte que, en fait, quand on n'a pas la charge, c'est facile de faire des critiques. La même chose pour des gens, mais des opposants. Un opposant va dire, ah non, t'as le pouvoir, il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Si c'était moi, quand je serais là, je vais. Et quand le gars vient, c'est pire. Vous vous souvenez de ce que vous regardez ce qui se passe en France aujourd'hui avec Emmanuel Macron, lorsque François Hollande était là. Ah non, Hollande a fait ceci. Mais je pense aujourd'hui, on dirait encore mieux Hollande à Macron. Parce que Macron est en train de diriger la France et le monde, l'Union européenne, dans une guerre nucléaire, une guerre mondiale nucléaire qui risque de faire sortir notre planète de son orbite et qui risque de nous plonger dans une ère glaciale nucléaire et la destruction de la Terre tout entière. Comment on peut mettre en danger toute une planète pour un lopin de terre? Pour une guerre fratricide, ça veut dire une guerre entre frères. Comment, sincèrement? Qu'est-ce que l'Europe de l'Ouest va chercher en Europe de l'Est? Qu'est-ce que les États-Unis, loin là-bas, outre-Atlantique, traverse l'océan Atlantique pour venir mêler l'Union européenne dans une guerre nucléaire contre la Russie qui est en guerre avec son frère, son voisin, son frère, une patrie qui faisait partie de l'URSS. Sincèrement, en réalité, pourquoi? Parce que les États-Unis veulent en découdre avec la Russie, absolument. Parce que c'est quand même l'un des rivaux les plus dangereux qui s'oppose aux intérêts des États-Unis et de l'Union européenne aujourd'hui en Afrique, avec ce qu'on est en train de voir. Donc, en même temps, détruire l'Ukraine, détruire la Russie, et puis
anéantit aussi, affaiblit l'Union européenne et s'enrichit en réalité. Parce que les armes qui sont livrées en Ukraine, en fait, en réalité, c'est les grandes firmes américaines qui s'enrichissent. L'Allemagne qui vote un budget de 100 millions, 100 milliards de dollars, d'euros, 100 milliards d'euros pour son armement, et ils achètent ça où? Aux États-Unis. L'Union européenne, les nations européennes qui veulent aussi renforcer leur armement, c'est où? Aux États-Unis. L'argent là va et qui gagne finalement? C'est les États-Unis en réalité. Donc, voyez. Donc, il faut que les gens comprennent, les fils doivent comprendre. Il faut servir le Seigneur avec loyauté. C'est ton père spirituel avec loyauté. Un fils n'a jamais gagné une guerre contre son père. Jamais de la vie. Un fils n'a gagné. Tu ne gagneras jamais une guerre contre ton père, même s'il a tort. Allez dire que c'est moi qui ai dit ça. Même s'il a tort, tu ne gagneras pas. Et David a compris ce principe. C'est cela que David, dans la guerre qu'il opposait à son père spirituel, il était innocent. Son papa avait tort. Mais lorsque dans la caverne, David était à côté. Oui, il y a Timothée de Jésus qui disait une question. Possible, oui, envoyez la question. Lorsque David était à côté de Saül, ceux qui étaient avec lui ont dit, l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. Il a dit quoi? Malheur à moi de mettre la main sur loin de l'Éternel. Écoutez ça, hein. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Ne touchez point, il dit, ne faites point de mal à mes prophètes. Il dit quoi? Ne touchez point à mes prophètes, ne faites point. Hein? Touchez point à mes oints. Voilà. Il dit, ne touchez point à mes oints, ne faites point de mal à mes prophètes. Qu'ils aient tort ou raison, ce n'est pas ton problème. C'est une loi qui les couvre. C'est Dieu qui les juge en réalité. Donc David a compris cela. Quoi qu'il avait raison, il pouvait dire, non, j'ai raison, même Dieu me justifie, Dieu est de mon côté parce que je suis dans la justice. Et il tue Saül là-bas. Et Dieu lui aurait dit, mon ami, j'étais de ton côté, vraiment tu étais innocent, c'est vrai, mon serviteur, ton père avait tort, mais cependant, tu as mis la main sur lui, tu as enfreint une loi fondamentale du ministère, ne touchez point à mes oints et ne fais pas de mal à mes prophètes. Même s'il a fait quoi? Tant qu'il est assis sur le trône, il est mon oint. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est mon oint. Donc c'est ça que beaucoup d'enfants ne comprennent pas. David, quoique il était déjà oint, l'onction était sur lui. L'huile de la royauté était sur lui. Il n'est pas allé faire un coup d'État. Il a attendu. En bonne et due forme, prendre le règne sans enfreindre aucune loi ministérielle. C'est aussi pour cela que Dieu n'a point permis qu'un seul ennemi de David puisse avoir la victoire contre lui. Jamais. Voilà. Donc, ton papa, c'est ton papa. Même s'il est insensé, c'est ton papa. Tu lui dois soumission. Et tu pries pour ton père. Il n'est pas un homme parfait. Non. Donc si tu vois la nudité de ton père, tu dois choisir. Soit tu la vois, tu pars la répandre. Soit tu fais comme les deux fils de Noé, à reculons, tu couvres la nudité de ton père. C'est ça la responsabilité d'un fils. Lorsqu'un fils est loyal, quand tout va bien avec son père, il couvre la nudité de son père. Mais dès qu'il y a les problèmes avec le père, il prend ça, c'est sur Facebook, il va verser ça. C'est partout, il va verser, c'est de la méchanceté. En ce moment, Dieu ne peut plus te soutenir. Il y a une loi ministérielle qui dit point de paix pour le méchant. Il faut que vous maîtrisiez un peu ces petites lois-là qui font la différence dans le ministère. Donc, sers Dieu. Lorsque ton temps de partir arrive, parce qu'il y a des fils qui sont faits pour partir demain, c'est des leaders nés. Chaque père doit comprendre ça. Quand ton temps de partir arrive, ne pars pas dans la période de conflit. S'il y a des conflits avec ton père, reste. Reste, ne pars pas. Attends d'abord que le conflit passe et que votre relation se normalise. Quand tout est normal, alors tu vas vers le père, tu lui dis, papa, mon temps est parti. Et même en réalité, laissez-moi vous dire une chose même qui est vraie. Moi, j'ai un seul fils de tous les fils que j'ai. Il y a un seul dont Dieu m'a dit, celui-là, quand le temps sera venu, dis-lui toi-même qu'il parte. Libère-le. Dis-lui merci et libère-le. Un seul, vous voyez. Je me souviens... Laissez-moi raconter une histoire. Parce qu'aujourd'hui, les révélations que les fils ont, le père n'est pas au courant là. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas biblique. Donnez-moi l'exemple d'un fils qui a hérité de son père, qui a fait son ministère, commencé le ministère, sans que le père ne soit informé par Dieu. Donnez-moi un exemple. Moïse. C'est Dieu qui lui demande de oindre Josué. C'est Dieu qui lui demande de oindre Éléazar.
Élie, avant de partir, c'est Dieu qui lui dit d'aller voir Élisée. Donc, lorsque vous regardez, vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu parlait au Père sur le Fils. Il dit, va voir ton Fils. Je l'ai établi. Il sera ton héritier. Parce que c'est Dieu, en définitive, qui choisit l'héritier. Un père peut choisir son héritier, mais en réalité, c'est Dieu qui choisit l'héritier, ce n'est pas le père. C'est ça que même Élie demandera, dira à son fils qu'en réalité, ce que tu demandes là, je ne sais pas, c'est trop difficile. Mais Dieu lui avait déjà dit qu'Élisée était son héritier. Et lorsque Isaac a choisi Ésaü, Dieu a dit non, moi j'ai choisi Jacob. J'ai rejeté Ésaü, j'ai choisi Jacob. Pour dire que l'élection de l'héritage, de la paternité spirituelle, revient à Dieu. Le père peut préférer un fils, mais c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Parce qu'un fils peut tromper son père. Mais on ne trompe pas le Dieu du Père. Donc c'est important. C'est le Dieu du Père qui choisit le Fils. Donc Dieu connaît ce qu'il a comme programme de vie et ministériel pour tous les fils. Donc le plus souvent, lorsque Dieu, la vocation d'un fils est authentique, Dieu parle au fils dans le rêve. Au Père, pardon, dans le rêve. Dieu dit au Père, ton fils là, il faut le libérer. Je le réclame, je veux qu'il parte, me servir. Pourquoi? Parce que Dieu respecte tellement la paternité qu'il ne joue pas avec ses lois. C'est pour cela que vous verrez que dans l'histoire d'Élie, Élie le souverain sacrificateur, quoi qu'il était déjà en conflit avec Dieu, que Dieu l'avait rejeté, lorsque Dieu est apparu à Samuel dans le temple et qu'il a appelé Samuel, Samuel est parti vers Élie, pourquoi? Trois fois vers son père, pourquoi? Parce que Dieu l'appelait avec la voix de son père. Ce qui nous enseigne le respect, la paternité, même comme le père était déjà, ses yeux étaient troubles. Il était rejeté par le Seigneur. Mais Dieu appelle quand même le fils en passant par l'autorité de son père. Donc ça doit nous enseigner la place que Dieu donne au père par rapport au fils. Et lorsque j'étais un jeune, j'avais déjà commencé, jeune serviteur de Dieu à la vraie église de Dieu, où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je pense que c'était en 97 ou en 96 que cette histoire-ci s'est passée. Dans mon assemblée, nous étions deux jeunes hommes. On était deux. Et notre papa spirituel nous formait dans la prédication. Il nous formait dans la prédication. Un jour, je vous enseignais sur les enfants, les fils sans généalogie. Des gens sans généalogie, qui n'ont pas de père, qui les a engendrés dans le Seigneur. On va revenir sur cela pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens qui demandent que, dis-moi ton père spirituel. Si tu n'as pas de père spirituel qui t'a engendré, ça veut dire que tu es illégitime. Qui vous a dit ça? On vous a trompé. On va revenir là-dessus. Il y a des gens à qui Dieu, c'est des gens que Dieu a exemptés de l'engendrement spirituel. Aucun homme ne les a engendrés sur la terre. On va revenir sur ça. Donc, ils nous donnaient la parole en semaine, c'est-à-dire les mardis et les jeudis, c'est nous qui enseignions à l'église, et lui, il enseignait juste les dimanches. Donc, il rotait entre moi et le frère. Mais j'ai remarqué une chose. Je me suis rendu compte que mon papa ne me donnait plus la parole à l'église pour prêcher. C'est mon frère qui prêchait, il préférait mon frère. Et mon frère avait fait un mois, c'est lui seul qui prêchait à l'église. Et j'étais rentré de classe, je pense que je faisais seconde, et toute la journée, il y a un passage biblique que j'avais médité et qui m'avait boosté. J'étais béni par le passage, je priais en langue, je chantais en langue, je rendais gloire à Dieu. Et donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux prêcher, je veux partager cette parole merveilleuse qui m'a béni avec ton peuple. Mais mon père spirituel ne veut pas que je prêche depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi. Alors ce jour, je suis rentré de classe, je suis allé directement à l'église d'abord. Je me suis mis à genoux et j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai chanté en langue, j'ai prié en langue et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux parler à ton peuple aujourd'hui. Donne-moi l'occasion de prêcher, Seigneur, touche le cœur de mon père qui m'accorde la grâce de prêcher aujourd'hui. C'est une affaire spirituelle en réalité. Alors, on était déjà peut-être vers 15h, 16h. Lorsque 17h arrivé, le culte a commencé. On a loué, on a adoré et mon père spirituel est entré. Il était assis à l'autel. Moi, j'étais encore assis dans la foule. On était assis devant où les serviteurs de Dieu s'asseyaient. Et donc, à un certain moment, c'était le moment de choisir qui allait exhorter ce jour-là. Et j'ai vu que mon papa spirituel était très triste où il était assis devant l'autel là-bas. Et il était triste, il s'est levé, il a pris le micro et il a dit, le frère Ferdinand, viens nous exhorter. Et j'étais content. Dieu m'avait exaucé. Donc je me suis levé, je suis allé, j'ai pris le micro et j'ai prêché. Et je vous dis la vérité, l'église était bénie. Tout le monde était béni. L'Esprit de Dieu s'est manifesté de façon extraordinaire. La puissance de Dieu s'est manifestée. On sentait que Dieu m'avait préparé pour ça.
Après le culte, mon père spirituel m'appelle hors de l'église. On décale un peu. Et il me demande, il me pose la question suivante. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai laissé prêcher aujourd'hui? J'ai dit non. Et il m'a dit ceci. Si ça ne dépendait que de moi, tu ne prêcherais plus dans cette église. Et j'étais étonné. Et il m'a dit, parce que les gens se plaignent de toi. Quand je voyage, je te laisse l'église, tu prêches seulement sur le péché, la repentance, le péché, la repentance, le péché, et ça frustrait les gens. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que tu n'allais plus jamais prêcher dans cette église. Mais tout à l'heure, avant le culte, j'étais en train de prendre ma sieste, je dormais. Lorsque dans une vision, le Seigneur m'a dit, laisse l'enfant prêcher et ne l'en empêche point, car j'ai mis un message dans son cœur pour mon peuple. Et il m'a dit, quand je me suis réveillé, j'ai donc pris l'engagement de te laisser prêcher comme l'Éternel, mon Dieu, m'avait ordonné de te laisser prêcher. Mon papa, là, il est même mort, il est décédé dernièrement. Donc, mes amis, c'est ça, servir Dieu. C'est ça, le vrai servir de Dieu, la vraie vocation, c'est comme ça. C'est comme ça, la vraie vocation. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si Dieu t'appelle, dis-lui, si c'est toi, parle à mon père. Dieu n'est pas mort, il va parler à ton père. Je me souviens d'un frère, j'habitais à l'époque à Yaoundé, avec deux frères, il y avait le frère Eric et le frère Paul. Moi, j'étais très rigoureux dans ma foi, comme les gens le connaissent aujourd'hui. J'étais très, très rigoureux. Dans les prières de minuit, les prières de 12 heures et toutes les autres heures de prière, 5 heures, 7 heures, quand tu arrivais en retard d'une seule minute, je disais que tu ne pries plus avec nous. Et le frère Paul était béni par cette vivacité, cette vigueur spirituelle. Mais le frère Eric, qui n'aimait pas trop prier, qui était paresseux, etc., lambinant, et Mossad, lui, il n'était pas d'accord. Et moi, je venais d'arriver à Yaoundé. Je ne connaissais personne. Ils m'avaient recueilli chez eux. Donc, je mangeais grâce à eux. Donc, on dormait dans le même lit, et etc. Donc, grâce à eux, je vivais. Et grâce à moi, spirituellement, ils vivaient. Mais le frère Eric ne m'aimait pas. Le frère Paul, lui, il m'aimait. Alors, un jour, le frère Paul m'a laissé juste avec le frère Eric. Et j'avais peur du frère Eric. Et le frère Eric m'a dit que, tu sais, frère Ferdinand, on est en 2001, je crois. Il me dit que quand tu n'étais pas ici, nous on dormait bien, tout allait bien ici. Il n'y avait pas que moins de choses, prière, moins de choses, méditons la Bible, moins de choses, prière, moins de choses, jeûnons. On était nous en paix, on menait une chrétienté normale. Depuis que tu es venu dans cette maison, moins de choses, prière, minuit, prière, 5 heures, prière, midi, prière, moindre chose, lisons la Bible. Il dit, non, tu nous troubles, tu troubles ma paix. Prends ton sac et va-t'en. Et je voulais dire quoi? J'ai fait mon sac. J'ai mis sur la tête. Et il m'a dit, allons, je t'accompagne. On est sortis. On grimpait la colline. Heureusement pour moi, Dieu m'aime. Voilà le frère Paul, son cousin, qui est en train de rentrer. Il me voit avec le sac sur la tête. Il me demande que frère Ferdinand, tu pars où? Il lui dit, ah, le frère Eric m'a dit de partir. On prie trop. Depuis que je suis là, vous priez beaucoup, vous gênez beaucoup. Donc, c'est pour ça que je pars. Il m'a dit, et tu pars où? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais seulement partir. Demain, je veux voir où je vais aller. Je ne connais personne. Il m'a dit, on rentre. On est rentré. Il nous a fait asseoir. Il a dit au frère Eric, frère, depuis que le frère Ferdinand est ici, on est bien. Toi, tu n'as pas vu, les couches de nuit, c'est fini. Les djoundjous qu'on voit la nuit, c'est fini. Il y a la paix dans la maison. Mais au lieu de travail, on nous a augmenté les salaires. Nos vies spirituelles sont réveillées. Tu veux qu'on meure? Si par là, tu ne sais pas qu'on va mourir comme avant. Tu sais qu'avant, là, c'était le sommeil. On ne priait ni à minuit, ni à 5 heures, ni à midi. Rien, 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 rien. Tu veux que les démons là reviennent encore nous prendre en otage ou quoi? Et il a dit à son cousin, si le frère Ferdinand sort la maison ici, moi-même je pars avec lui, tu vas rester seul ici. Et finalement, le frère Eric, il a compris, il a dit, ok, qui reste alors? Je suis resté. Mais quand son frère n'était pas là, il me pinçait, il me maltraitait et tout. Alors un jour, nous étions dépassés. Le frère Paul et moi, nous sommes allés à Elixoa, Elixoa, la vraie église de Dieu d'Elixoa en étage là. On s'est mis à prier là-bas. On a dit à Dieu, Seigneur, où le frère Eric se trouve maintenant, nous prions que tu lui parles. Qu'il comprenne qu'il nous persécute pour rien, que nous sommes là pour son bien. On n'est pas ses ennemis, Seigneur, parle-lui maintenant. Parle-lui en songe. On a prié de minuit à 2h du matin. À 2h du matin, nous quittons donc de Elixoa. On part à la maison pour le voir, pour savoir ce qui s'est passé, pour voir si l'Éternel nous avait exaucé. On arrive à la maison, on ne trouve pas le frère Eric. On se dit que bon, s'il n'est pas à la maison, ça veut dire simplement qu'il est à l'église. Voilà comment parle la vraie église de Toameki. On arrive, on le trouve. Dès qu'il nous voit,
Il vient tomber à genoux devant moi et devant le frère Paul. Il arrête nos pieds, il se met à pleurer. Il dit, je vous demande pardon, je vous demande pardon, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, pardonnez-moi mes frères. Je vous ai persécuté pour rien, pardonnez-moi. On lui demande qu'il y a eu quoi. Il dit qu'il était en train de dormir sur les bancs à l'église. Lorsque Dieu lui est apparu en songe et le Seigneur lui a dit, tu es en train de persécuter mes serviteurs. Si tu ne te répands pas et n'arrête pas de les persécuter et ne suis pas la voie sur laquelle ils marchent, sache que je serai ton ennemi et après ta mort, tu iras en enfer. Tu iras dans la géhenne. Il a dit, pardon, je ne veux pas aller dans la géhenne. Depuis le jour-là, c'est lui qui nous réveille pour la prière. Voilà comment Dieu fonctionne, le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi je sers. Voilà comment le Seigneur fonctionne. Dieu agit encore aujourd'hui, mes amis. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu m'a appelé. Ton père est dans le flou, il n'a rien vu. Normalement, en temps normal et bibliquement, le père spirituel est au courant. Il doit savoir que voilà, Dieu va lui parler. Dieu n'est pas mort. Nous ne servons pas des morceaux de bois, un morceau de bois ou de pierre, non. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, le système que les fils de prophètes ont aujourd'hui, de partir sans que le Père ne soit averti, non, je vous dis, c'est pour ça que vous ne réussissez pas. Pourquoi? Parce que, normalement, là, c'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ah, donc il y a une facilité. Ah, la manière de reprendre, ça c'est bien. Donc je vais. Là, c'est bon. Le son, c'est. Donc, mes amis, ce que je voulais dire, c'est quoi? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est aussi pour cela que. Beaucoup se retirent pour faire le ministère et ils meurent. Quelqu'un qui est son père, et on ne parle plus de lui. Quelqu'un qui est son père, on ne parle plus de lui. Quelle est cette histoire-là? Parce que les gens ne respectent pas les principes de séparation avec les pères. C'est ça la réalité que les gens doivent comprendre. Donc moi, je prie que Dieu vous donne la sagesse, à vous les fils, que Dieu vous donne la sagesse dans cette génération. Demain, je reviendrai peut-être avec plus de détails et dans une condition meilleure. Mais que Dieu vous donne la sagesse. Mon ami, pour que Dieu forme un père et le lève, il le présente au monde.
Et tu viens le mépriser. Tu es malade dans ta tête. Tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Les gens pensent que le ministère... Moi, j'ai beaucoup de fils qui étaient avec moi. Ils ont été pasteurs dans nos églises. Quelqu'un est pasteur dans une église. On fait des programmes avec plus de 5000 personnes. Et quand ils voient, ils se disent, ah non, c'est simple. Ce n'est pas simple. Et quand ils commencent le ministère, ils se rendent compte que c'est compliqué l'affaire là. Rassembler les gens là, ils sont dans où? Tu comprends que c'était un manteau, c'était une alliance. On ne joue pas avec. Le ministère, ce n'est pas le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas du qui veut, c'est qui Dieu a appelé. C'est ça la vérité. Donc, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu, respecter ton père et partir dans de bonnes conditions. Pars avec la bénédiction de ton père. Pars en sorte que si demain il y a quelque chose, tu peux revenir à la maison. Tu peux rendre visite à ton père. Et tout. Bon, moi maintenant, je ne suis même plus comme avant. Hein. Quand j'étais plus jeune dans le ministère, là, j'étais très, très, très tranchant. Maintenant, il y a la paternité, l'âge qui sont en train de m'influencer déjà. Donc, ça fait qu'il y a les fils qui partent là, ils reviennent. Moi, je n'ai pas de problème. Tu reviens, je prie pour toi. Sauf si vraiment ta faute était inacceptable, que tu as traversé la ligne rouge. Mais on prie. Mon souhait, c'est quoi? C'est que les gens puissent être bénis. Voilà, Raoul Baudet dit, qu'est-ce qu'un homme de Dieu sans généalogie? Je vais vous répondre. Soyez patient, on va parler de ça. Il y a des gens qui sont sans généalogie, qui n'ont pas de main ni de paix spirituelle, qui sont nés comme ça. Donc, on va voir ça. Donc voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Rendez-vous demain, dès qu'il sera 10 heures. Vraiment, je n'ai pas pu me lâcher comme je voulais, à cause des conditions qui sont un peu défavorables autour de moi. Donc rendez-vous demain 10 heures, et ce vendredi 21 heures du côté de la Bire, ici à Yaoundé, on a la grande nuit de flammes. Vous connaissez ce que Dieu fait au milieu de nous. On n'a plus besoin de vous dire quoi que ce soit là-dessus. Et dimanche, on a le culte des familles du côté de Douala, avec service d'eau ointe gratuitement distribué comme c'était à Bertois. On a vu Dieu manifester sa puissance et confirmer sa parole. Et après ce culte de famille, nous aurons 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, à Douala. Donc toute la semaine, je serai à Douala pour un programme d'onction supérieure maritale. Donc on va continuer la deuxième partie, la deuxième mi-temps du séminaire sur le mariage. Pour ceux qui ne sont pas présents, soyez connectés au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc, et par la grâce du Seigneur Jésus, voilà comment ça va se passer à Yaoundé à 7h30, à la Bille. On a un grand culte d'onction supérieure. Venons avec toutes nos familles et j'ai dit que tout le monde doit être oint. À la nuit de prière aussi, tout le monde sera oint. Donc, on va te oint, toi, mais tu seras fatigué de l'onction. Parce qu'il faut que tu accomplisses ta destinée. Bien, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit dans ta vie. Que les fils soient en paix et les filles soient en paix avec leur père. Soyez en paix. Quand le cœur de ton père n'est pas content de toi, même dans la vie normale, la humaine, la biologique, vous savez que tu ne vas pas réussir, tu auras les problèmes. Donc, soyons, ayons la paix. Ayons la paix. Et si tu veux servir Dieu, toi, dans le ministère, ne pars pas parce que c'est l'argent que tu cherches. Ne pars pas parce que c'est la réussite, tu veux aussi des voitures, tu veux aussi des belles maisons. Hein? Ce n'est pas ça que moi j'ai cherché. D'ailleurs, moi, je ne voulais même pas servir Dieu. Dieu m'a poursuivi et pourchassé pendant 2 ans. Il m'a convaincu et je me suis laissé convaincre. Toi, Dieu ne t'a même pas bipé. C'est toi qui persécutes Dieu même. Tous les jours, tu tapes sur le portail du ciel, on dit c'est qui. Donc, moi, je pense que faisons les choses de la plus belle façon. Que Dieu te bénisse, ta journée est bénie, que Dieu pourvoie tous vos besoins, que Dieu t'accorde les désirs profonds de ton cœur, que sa grâce et sa faveur soient sur toi. Que Dieu t'honore et qu'il élève ton nom au milieu de tes ennemis et qu'il te mette à l'abri. Au nom précieux souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Bye.